Skyrock Super Weekend, salut, ça va vous ? Inutile de se vanter, nous avons des millions d'auditeurs qui nous écoutent ce matin. Ah bien oui, parmi eux, il y a également les louveteaux de la Meute Saint-Albert qui sont en camp à Carlsbourg. Bonjour à eux, bonne matinée. Eh bien, vous avez fait le bon choix pour votre camp parce que au moins, ici, il y a la super musique. Avec la super musique, dans un instant, il y aura Rod Stewart. Et Dieu dit, plus de tubes tu passeras et moins de pubs tu diffuseras. Skyrock, la radio qui obéit à Dieu. Préparatif. Thank you.
C'est froid, hein, les loups. Nous expliquer ce qu'on fait quand c'est sale. Il a dit mais non, c'est pas une tâche. c'est parti. Couillon, va. Japonais. Ouais, le pied dans celle-là. Désolé, mais moi j'ai trouvé un autre système. Michel, mon gobelet. Arrête de me faire chier. Ouais. Ouais. Et les pieds, tu te laves les dents, comment? Ouais, je vais faire comme ça. À quelle heure? Mais hop. Hop. À quelle heure l'inspection? Hop. Ah merde.
Je suis la grenadine.
promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Tu peux nous jouer de la musique? Ça va, calme. Je ne fais essayer, Rama. Rama, il est en train de déconnecter les plombs. Qu'est-ce que tu fais encore comme bêtise, Gilles? Rien du tout. C'est ça que mon petit mouton. Bonjour papa, bonjour maman. Je vous aime bien, vous savez. Chanter ma chanson. One, two, one, two, three. One, écoutez-moi, hey. Ragas. À quoi tu joues, Quentin? C'est fou ce qu'on travaille à l'intendance. Dis Rudy, tu peux nous dire ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Alors tu peux nous dire comment tu vas le préparer ce poulet? Non? C'est un secret ou bien? Secret d'État. Pierre-Lu. Eh oui, Benoît, il y a l'inspection. C'est parfait.
monsieur qui essaie de faire monter son zizi et de le faire descendre. Et il ne sait pas comment on fait. Alors, il va chez le docteur. Et son docteur lui dit de faire comme ceci. Et puis, un jour, il regarde son zizi et il voit qu'il monte et qu'il descend. Et puis, il regarde autour de lui et il voyait quelqu'un qui faisait... Raconter l'histoire de la tarte au concombre. C'est un vieux monsieur qui va à la boulangerie et il dit, est-ce que je pourrais avoir un pain? Oui monsieur, vous pouvez avoir un pain. Un pain blanc. Oui monsieur. Un pain blanc coupé. Oui monsieur. Et est-ce que vous avez de la tarte au concombre? Ah non, monsieur, je suis désolé. Je n'ai pas de tarte au concombre. Et il fait ça pendant 3 mois. Un jour après, il revient chez boulanger et il lui dit, est-ce que je pourrais avoir un pain? Un pain blanc coupé. Oui, monsieur. Et est-ce que vous avez de la tarte au concombre? Ah, j'ai une surprise pour vous. Ah, vous savez, c'est dégueulasse, ça. Aïe, 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 Régis, c'est ses blagues. Je vais vous raconter l'histoire d'un visiteur qui vient visiter la maison. Alors, il demande un taxi. À quoi ça sert, là, la petite étoile? C'est un viseur pour piétons. Alors, il monte dans la voiture, et puis il y a le chauffeur, il fonce sur un piéton, il l'évite de justesse, ainsi de suite. Puis après... On entend un bruit de claquement. Après, il y a le passager qui dit « Heureusement que je l'ai ouvert, sinon on l'avait raté. » Et qu'en pense Pernou de... Applaudissez. Attends, j'en ai une. Pays. Ça va, Pernou? Très mal. Un petit mot pour la meute. Allez. Allez, un petit mot pour la meute, Perlou. Non, je suis gêné. Oui? Allez, alors, tant pis. Voici le tombeau du géant. Lors de notre hike à Sens Ruth, nous sommes allés jusqu'au tombeau du géant. Les louveteaux ont nagé dans la Semois. Ce fut formidable. Thank you.
les chefs. S'il vous plaît. Il y a un problème. Ouais, si, si.
Bah, taisez-vous. Akela doit embrasser les filles pour recevoir ses vêtements. Sans les mains. Essaye déjà, hein, qui est là. Ok, c'est bon. Faut y aller. Va aller te laver. T'as vu le bonbon? Quoi? T'as vu le bonbon?
Hey, fouille, tu scoutes avec ta tête pour enterrer quelque chose. Voilà, t'as trouvé la fille. Non, vous devez rester derrière la machine, alors on va la machine, allez-y. Et pendant ce temps-là, les autres peuvent prendre aussi. Hein. Et on se réserve. Hein. Oui, c'est possible, le gars, il est déjà arrivé. Des pignons. Mais non, en 1 minute 30, on regarde le nombre de chaussures attachées et derrière le bois, vous venez.
Attention. Prêt. Partez. Le but, Gilles a parié qu'il allait manger 8 petits beurres en 1 minute 30 et il gagnera alors un paquet de 5 kilos de bonbons s'il réussit. Alors vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, parti!
dis quand c'est terminé. Hein. Stop. Les appuyer. Merci. Merci. Maintenant. C'est dégueulasse. Saint-Joseph, près du vieux café désinfecté. Ok. Je t'attends là ou quoi? Quoi? Je t'attends là? En arrive. Ok. Change de canal. Avec le school, ça va bien. Enfin, je veux quand même dire que... Oui, mais il est occupé. J'ai plus de boules. Rocher du conseil du dernier jour. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas bien vu, je comprends rien. Ah oui, là on a bien vu. Vous voyez, ça c'est l'intendance. C'est l'intendance au travail. Vous voyez comme ils sont sérieux. 1, 2, 3, tous sur lui. Ça sera bon.
Ça, ce sont les objets perdus. Pas moi. Ça, c'est à Mathieu Piedquin. Il n'y a pas de honte d'avoir perdu ses affaires, mais avec tout ce qu'il y a, si on ne cherche pas 5 minutes pour trouver le propriétaire, on n'a pas fini. Non, je te fous. C'est mon père de voir dire. Qui m'a enlevé? Qui
évidemment. Si je le savais, ce serait facile. Alors voilà, c'était Régis dans le rôle de VDB, Mathieu, Bugs et Pierre-Laurent dans le rôle des ravisseurs. Nous avons... Super Weekend, salut, ça va vous ? Inutile de se vanter, nous avons des millions d'auditeurs qui nous écoutent ce matin. Ah bien oui, parmi eux, il y a également les louveteaux de la Meute Saint-Albert qui sont en camp à Carlsbourg. Bonjour à eux, bonne matinée. Eh bien, vous avez fait le bon choix pour votre camp parce que au moins ici, il y a la super musique. Avec la super musique, dans un instant, il y aura Rod Stewart. Et Dieu dit, plus de tubes tu passeras et moins de pubs tu diffuseras. Skyrock. La radio qui obéit à Dieu.
La même chanson qui fait danser la boue. Tous les mecs qu'on a connus avant, qui nous reconnaissent même plus. Maintenant, c'est pas qu'on est grossi, on reste petite fille, malgré nos tailles d'éléphant. À tous les mecs qu'on a usés avant, on a ruiné dans les bons restaurants. Thank you.
C'est une histoire vraie. C'était une fois une expédition d'observation japonaise dans l'Antarctique. Leur mission était d'explorer ce continent. Et à un moment, l'équipe d'observation japonaise devait retourner au Japon. Les hommes avaient enchaîné les chiens et fixé les chaînes dans la glace. Ensuite, ils sont partis. Les chiens hurlaient à la mer en voyant le nom de personne. Ils avaient faim, ils n'avaient rien à manger. Heureusement, quelques-uns, à force de courage, ont pu s'échapper, dont Taro et Jiro étaient parmi eux. Ils ont survécu de nombreux mois. Ils devaient s'attaquer parfois à des ours ou des phoques pour manger. Mais malheureusement, quelques-uns d'entre eux ont eu des accidents mortels. 2 ans après, Taro et Jiro étaient toujours en vie. C'est à ce moment-là que le Japon décidait d'envoyer à nouveau une nouvelle équipe d'observation au même endroit pour mieux l'attendre. Les deux responsables de la première équipe étaient de la partie. Allez manger, je voudrais demander à tous les louveteaux de revenir sur scène. Tous les louveteaux, vous pouvez revenir sur scène, s'il vous plaît. Jean-Yves. Alors, je demanderai aussi au chef et à l'intendance de venir sur scène. Balou, tu peux donner la caméra à des parents, ils seront très bien filmés, il n'y a pas de problème. Bien, alors il y a un petit détail quand vous allez vous parler. Vous demandez le brigadier Arzevé. Arzevé. Les gens.
manger, tout est prêt, tout est cuit. Bon appétit et bon amusement, la soirée ne fait que commencer. Oui, vous pouvez en même temps régler Akela, petit détail. Avant d'arriver au bar, est-ce que vous pouvez payer Akela? Merci bien. Le père ne sait pas que la caméra continue de filmer. Allez, on va aller discrètement vers la voiture, ça va? Discrètement. Attends, je vais rendre... Ah,